Ces bassins de récolte, appelés œillets, représentent la carte d'identité de Guérande. Ici, on récolte le sel depuis le 9e siècle. Une histoire qui a débuté aux environs de Saillé, un village typique de paludiers. Et quand on regarde ces paludiers aux pieds nus, on assiste surtout à un véritable ballet. Ces gestes ancestraux permettent de récolter le gros sel. Ici, pas de machine, pas d'engrais. Tout est en accord avec la nature. J'ai un sentiment de liberté quand je travaille dans les marais salants. Pourtant, la météo comme patron, c'est pas facile. Hein. Mais, ouais, c'est la liberté dans ma tête. La liberté entre le ciel et l'eau. Et cette liberté, Aude, elle veut la transmettre pour que ces lieux millénaires ne disparaissent jamais. Moi, je me dis que le marais, il m'appartient pas. Hein. Ça, c'est moi qui appartiens au marais, en fait. Je fais que passer. J'ai réussi à remettre en route une petite saline qui servira à quelqu'un d'autre derrière. Je suis plutôt dans cet objectif-là, là. Je trouve ça bien. Et je suis pas trop inquiète pour le marais, en fait. On dit qu'il faut une vie pour devenir paludier. Dommage, on resterait bien là, pour l'éternité.